l'actualité, l'assassinat en début de soirée à hier de Yann Pia, la députée UDF. Un contrat de professionnel, ce sont les mots du procureur. Une femme est tombée sous les balles de deux tueurs. Un règlement de compte crapuleux, qu'il soit d'inspiration politique ou d'ordre public. Grand nombre de Yérois ont appris ce matin la nouvelle. Sur le marché, on ne parle plus que de balles dans la jambe. Yves Gerdon qui a plongé dans la stupeur le monde politique et qui a profondément choqué les Yérois. L'assassinat de Yann Pia, député UDF du Var, il était engagé dans la lutte contre la mafia et se sentait menacé. L'affaire Yann Pia est l'une des plus marquantes et des plus mystérieuses de la fin du XXe siècle en France. Pour la première fois dans l'histoire de la République, une femme parlementaire est assassinée. Le meurtre déclenche une extraordinaire affaire judiciaire et un choc politico-médiatique sans précédent. L'assassinat de Pia, c'est un vrai tremblement de terre. Ça a une dimension internationale. Tu retrouves plein de journaux des États-Unis, du Japon, d'Allemagne. Les politiques locaux ont été secoués, mais même au niveau national, c'est une affaire qui a pris beaucoup d'ampleur. À ma connaissance, il n'y a eu que 3 députés assassinés en France. Jean Jaurès, le prince de Breuil et Yann Pia. T'avais le mélange entre les politiques et les truands. T'avais une femme jeune, belle. Abattue par des tueurs à moto, comme ça se fait dans tous les règlements de compte basiques du milieu. Pour tenter de comprendre cette affaire, il faut remonter à l'enfance de Yann Pia. Née à Saïgon en 1949, en pleine guerre d'Indochine, elle arrive dans le Var à l'âge de 18 mois avec sa mère, Luce, auxiliaire de l'armée de terre. C'est à Saint-Raphaël que la jeune Yann rencontre pour la première fois Jean-Marie Le Pen, compagnon d'armes de Luce, qu'elle désignera désormais comme son parrain. Rapidement séparée de sa mère, elle grandit dans une famille d'accueil. Yann Pia est peu ou prou une enfant de l'assistance publique. C'est la fille d'un officier parachutiste dont on a dit qu'il était mort à Dien Bien Phu. Jean-Marie Le Pen a longtemps considéré que Yann Pia c'était un peu sa fille ou sa nièce. Enfin, en tout cas, c'était un membre de sa famille. Entré au Front National en 1977, dans le sillage de Jean-Marie Le Pen, Yann Pia devient rapidement cadre du parti. Après 2 divorces, elle revient s'installer ailleurs, près de Toulon, avec ses 2 filles. Elle est élue conseillère régionale et députée du Var en 1986. Je serai une candidate d'union et toujours dans un esprit d'union et de communication. Je crois que c'est ce qui est important. Ça ne vous déplairait pas d'avoir une mairie comme hier, par exemple ? Oh, c'est une ville magnifique, superbe. Seule parlementaire du FN réélue en 1988, Yann Pia, choquée par le calembour du rafour crématoire, s'éloigne peu à peu de Jean-Marie Le Pen. J'aimais Jean-Marie, j'ai détesté Le Pen en faisant de la politique avec lui et je l'ai quitté au moment où je me suis aperçue qu'en fait, Monsieur Le Pen nous conduisait dans une impasse. Enfin, moi, c'était pas mon combat en tout cas. Madame Pia, députée du Var, a été exclue à l'unanimité par le bureau politique du Front National. Sur les bancs de l'Assemblée, désormais seule tout en haut à droite, comme elle l'écrira plus tard, elle se rapproche de l'UDF. Ses adversaires la considèrent comme une arriviste, prête à tout pour réussir. Ses partisans, au contraire, voient en elle une femme intègre et déterminée. On la surnomme parfois Jeanne d'Arc. Non, je ne suis pas Jeanne d'Arc, on est bien d'accord. C'était une très bonne oratrice, c'était une femme qui avait un charme absolument extraordinaire, c'est une nana qui bossait beaucoup. C'est une femme de tête, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, c'est une femme qui sait où elle va. On la voit partout, elle participe à toutes les remises de médailles, tous les rubans coupés, elle est omniprésente. Et je pense qu'elle gêne. Passer du FN à une droite plus modérée, pour des raisons d'ambition politique, ça situe aussi le personnage. Elle a peu de soutien, c'est un peu une femme seule, quoi. Seule un peu contre tous, quoi. Elle essaie d'abord de trouver sa place dans le système politique varois. Mais les barons locaux de l'UDF s'en méfient et la cantonnent dans des rôles subalternes. En particulier Maurice Arex, président du Conseil Général et ancien maire de Toulon, aux affaires depuis plus de 40 ans. C'était le chef politique du Var, il était incontournable, on ne pouvait pas passer à côté. Elle était obligée, étant de sa majorité, de lui référer, de lui rendre quelques comptes. Mais Maurice Arex n'a jamais pu la récupérer totalement dans son système. Arex avait cette phrase, il disait « la justice pour tous, des faveurs pour mes amis ». À l'époque, il veut parler notamment des subsides qu'il distribue en tant que président du Conseil Général, ce qui est un peu choquant. Entre celle-là et son célèbre « Je suis le parrain politique du Var », qu'il a payé cher, voilà, il avait fait à peu près le tour de la question. On me dit « mais vous êtes en quelque sorte le parrain ». Moi, j'ai dit « ben oui, le parrain », mais
pas le parrain ni de la mafia ni du milieu. J'en connais aucun, j'en connaissais qu'un. Maurice Arex ne cache pas son amitié pour Jean-Louis Fargette. Celui qu'on surnomme le Grand, exilé en Italie depuis 1982 pour échapper à des poursuites, est en quelque sorte le patron occulte du département. Ancien membre du SAC, il a des relations très suivies avec la classe politique nationale. Il contrôle son empire de débit de boissons d'une main de fer, prélève sa dîme sur les marchés publics et nourrit de grandes ambitions. Fargette, c'était pas un truand, comme on peut dire, ordinaire. C'était un homme qui voulait jouer un rôle dans la vie politique, qui voulait jouer un rôle dans la vie économique, donc qui avançait des pions un petit peu partout où il le pouvait. Il est à la fois l'honnête commerçant, le type qui comprend avant tout le monde que capter les marchés publics grâce à la compétition d'un homme politique, ça lui permet d'être à la fois dans le monde occulte des affaires, la corruption, et en même temps d'avoir une espèce de visage propre. Depuis longtemps, intimidation, rackets, plastiquage et même meurtre font la une des quotidiens varois. Ces faits divers débordent parfois sur la vie politique, comme l'exécution en 1986 de Daniel Perrin, adjoint au maire de la Seyne-sur-Mer. C'est-à-dire un climat et puis des affaires qui tournent toujours autour de questions d'urbanisme. Parce que Perrin, c'est une des thèses qui a été développée, ce sont des projets immobiliers sur le secteur de la Seine qui ont pu générer son assassinat. C'est un département qui avait une longue tradition de violence derrière lui. C'est rare sont les départements, à ma connaissance, dont on peut écrire l'histoire politique uniquement à travers des affaires politico-criminelles. Fargette voit d'un mauvais œil l'arrivée de Yann Pia dans les affaires varoises, car il a de gros intérêts ailleurs. Il entend profiter de l'extension de l'aéroport sur des terrains militaires et initie de grands projets immobiliers sur la presqu'île de Gien avec l'aval du président Arex. C'est une zone dans laquelle il y a un aéroport. C'est une zone dans laquelle il y a des marais salants dont on se dit que ce serait pas plus mal qu'on en fasse des marinas. C'est une zone dans laquelle il y a un casino. Et un casino dans une ville qui est aux mains de M. Ritondale, dont on dit quand même qu'il est plus proche du milieu que du bon Dieu. Si hier, qu'on appelait hier les palmiers, devient hier les bombes, c'est que quasiment toute la semaine, au même endroit, sur le port de hier, il y a une explosion, il y a un incendie. Alors un coup, c'est une pizzeria, un coup, c'est une boîte de nuit. Un coup, c'est un restaurant, ça saute sans arrêt. Quoi. Et puis surtout, il y avait des assassinats, c'est-à-dire qu'il y avait des règlements de compte. Quand vous êtes agressé, c'était de nature politique ou de nature bandit voyou ? Votre sentiment ? Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. Je dis bien, ça peut être les deux. En tout cas, il y avait sur hier, à cette époque, un climat mafieux ou pré-mafieux qui s'était installé ou qui était en cours d'installation. Et Yann Pia, effectivement, surnageait dans ce marigot. Quoi. C'est vrai que où on retrouvait des gens du milieu, des commerçants plus ou moins douteux, des élus plus ou moins douteux et en tout cas avides. Le problème de Yann Pia, c'est qu'elle comprend tout ça, mais qu'elle ne sait pas qui tire les ficelles. Elle ne sait pas qui dirige les bars, elle ne sait pas qu'il y a une alliance entre les politiques et les voyous, et le monde économique. Elle voit ça comme une observatrice assez privilégiée parce qu'elle habite hier, mais elle ne connaît pas les mécanismes des systèmes mafieux. Elle ne les connaît pas. Au mois de janvier 1992, à la recherche de financement pour ses campagnes, elle rencontre un homme d'affaires marseillais, Daniel Savastano, qui se révèle être un proche de Jean-Louis Fargette. Dans les heures qui suivent cette rencontre, la rumeur va se répandre à une vitesse absolument hallucinante, partout, Toulon, hier, Bandol, dans les bars. C'est con, hein, mais c'est comme ça que ça se passe. Yann Pia a rencontré les plus noirs que noirs. Elle a donné les clés du département aux Marseillais. Et ça c'est un truc. Oula, tu roules pour les Marseillais là-bas sur hier, là, c'est pas bon du tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que quand on apprend ça, on se dit, elle est tombée dans un piège. Mais elle est tombée dans un piège en même temps parce que. Et c'est là où elle n'était pas tout à fait innocente non plus, parce qu'elle avait un vrai besoin d'argent. Je pense qu'elle, elle, à un certain moment, a pu se retrouver, comme on dit, borderline. Se sentant probablement en danger, elle rédige une lettre qu'elle dépose en lieu sûr, à n'ouvrir qu'en cas de mort suspecte. Dans les mois qui suivent, elle s'engage résolument contre la corruption et intègre à l'Assemblée la commission d'enquête sur les tentatives de pénétration de la mafia en France.
elle posait pas de questions. Je pense pas qu'elle ait assisté à toutes les réunions. Enfin, elle était présente, mais qu'elle pensait y glaner des informations sur des sujets dont elle avait manifestement entendu parler. Mais c'est quelqu'un qui veut être maire de Hyères et qui veut marquer une forme de changement, parce qu'elle est quand même, ça il faut lui rendre, un peu excédée par tout ce qui se passe politiquement sur le Var à cette époque et depuis quelques années, c'est-à-dire cette porosité entre le milieu politique local et la mafia locale. Ici, là, dans le département du Var, quand ils aperçoivent qu'elle a intégré la commission anti-mafia et qu'elle va leur donner des leçons de gestion, d'honnêteté, d'anti-délinquance, les mecs deviennent fous. Fous. Écartée des élections régionales, ce n'est qu'en menaçant de créer une liste dissidente qu'elle obtient l'investiture pour les législatives de 1993, au détriment de Joseph Sercia, le candidat local de l'UDF, vice-président du Conseil général. Maurice Arex et François Léotard, le puissant député maire de Fréjus, ne cachent pas leur soutien à Sercia qui maintient sa candidature. Celui-ci a pris comme directeur de campagne Guy Fargette, le propre frère du boss, toujours exilé en Italie. Joseph Sercia, désormais principal adversaire de Yann Pia, lui livre une bataille sans merci. La campagne de 93 n'a pas été un long fleuve tranquille. Sous l'influence de son directeur de campagne, Dominique Vescovalli, qui était très proche du RPR, Yann Pia s'est lancé dans une dénonciation tous azimuts de la mafia locale. Vescovalli, proche de Charles Pasqua, on dit qu'il a fait partie du SAC, le service d'action civique. C'est fou, mais Vescovalli se servait de Yann Pia pour flinguer Fargette et le système Arex. Alors ça paraît extraordinaire aux Parisiens, à ceux qui passent ici, qui voient le soleil quelques semaines et qui repartent. C'est du quotidien. Nous avons mené une campagne contre des groupes mafieux. Elle va être harcelée au téléphone. Dans la rue, il y a des gens, des voyous qui sont proches de Fargette, qui vont l'insulter sur les marchés, etc. Une grenade explose devant sa permanence. Ça, c'était dans le courant de la campagne. Lettres de menace, coups de fil... meeting chahuté. Le point d'orgue est atteint le 16 mars 1993, à Hyères, lors d'un meeting à l'espace 3000, quand elle reçoit la visite de Gros Bras qui la menace ouvertement et la brutalise. C'est l'équipe de Fargette qui monte le coup. L'opération qui consiste à envoyer des gars et tous les proches de Paul Grimaldi, Jean-Louis Fargette, pour semer la panique dans les rangs des spectateurs à l'espace 3000, c'est Fargette. Quelques jours avant, à l'aéroport, deux personnes m'avaient abordé en me demandant de modifier mon vocabulaire. Donc j'avais déjà le message, qui était un message qui était envoyé par ce fameux monsieur Fargette. Le lendemain de ce meeting mouvementé, Jean-Louis Fargette est assassiné en Italie de 5 balles de gros calibre. Qui gênait-il? Était-il devenu trop gourmand? Il est certain que Fargette, qui était sur le point de revenir à Toulon après 10 ans de cavale, il envisageait de passer à la vitesse supérieure, ne plus jouer en troisième division. Le retour de Jean-Louis aurait fatalement remis en cause les équilibres qui s'étaient installés après son départ précipité de Toulon. Et son retour était imminent. Les obsèques de Jean-Louis Fargette révèlent le prestige qu'il avait dans le milieu et même auprès d'une partie de la population. Dans un hommage unanime, 2000 personnes se pressent dans le cortège et dans l'église de La Valette, son village natal. Derrière le fourgon est accrochée une couronne plus grosse que les autres avec cette inscription « Tu es le boss et tu le resteras toujours ». Très vite, une rumeur va accuser Yann Pia d'être à l'origine de la mort de Jean-Louis Fargette avec l'aide du milieu marseillais. C'est Yann Pia qui a fait tuer Jean-Louis Fargette. Ça se répand à une vitesse foudroyante. Est-ce qu'on a tué Fargette au lendemain du meeting perturbé de Yann Pia pour lui faire porter le chapeau? Ou en espérant brouiller un peu les cartes, pourquoi pas, hein? C'est dans cette ambiance délétère que Yann Pia est réélu député UDF du Var en 1993. C'est une grande victoire parce que cette campagne a été âpre, difficile. Elle se déclare aussitôt candidate pour les prochaines municipales à Hyères. À cette annonce, Vescovalli, qui briguait la mairie pour le RPR, la laisse tomber.
Dans les mois qui suivent, Yann Pia prend plusieurs rendez-vous avec l'administration à Paris pour dénoncer les énormes dépassements de budget du projet d'agrandissement de l'aéroport de Hyères. Les PG qui allaient avoir des sommes prélevées sur le montant des travaux pour encore une fois alimenter les caisses des partis politiques ou des voyous, quoi. C'est-à-dire qu'elle connaissait énormément d'éléments sur le financement occulte des partis politiques. En quête d'appui et de protection, elle tente de renouer avec Charles Pasqua, toujours ministre de l'Intérieur. On peut se dire que Yann Pia, c'était un peu sa dernière bouée. Elle faisait appel au secours à Charles Pasqua en disant voilà, sur le Var, c'est plus possible, je suis menacé. Moi, s'il continue, je vais peut-être révéler tel ou tel dossier de financement occulte, telle ou telle affaire. Et là, elle comprend qu'en fait, Pasqua ne veut pas la recevoir. Elle dira à plusieurs de ses proches, au moins à trois de ses proches, « Je suis foutu. Je suis trahi, je suis foutu. » Elle avait compris qu'elle était seule et de plus en plus seule. Et de plus en plus menacée. Bonsoir, l'assassinat d'une femme parlementaire en France. Émotion, consternation, indignation. Elle regagnait son domicile en voiture quand deux hommes à moto ont fait feu. Députée UDF du Var, elle était engagée dans la lutte contre la mafia et se sentait menacée. Quand j'ai entendu dire un député a été assassiné, tout de suite j'ai dit, j'ai pensé à Yann Pia. On pressentait depuis plusieurs mois ce qui allait se passer le 25 février 1994. La voiture de Yann Pia, une Renault Clio criblée de balles. C'est un véritable guet-apens tendu par des professionnels non loin de son domicile dans lequel est tombé le député UDF du Var. Le chauffeur, bien que blessé à une jambe, a pu ramener le véhicule jusqu'à la caserne des pompiers qui ne pourront que constater le décès de Yann Pia. Yann, qui est assise à côté de moi, elle me dit « Jo, qu'est-ce que c'est cette moto ?» Mais au moment où je vois le phare de moto, elle me dit « On nous flingue, Jo, on nous flingue. » Elle n'a pas dit « On nous flingue, Jo, on nous flingue. » Et là commence, bien entendu, le cauchemar. Et c'était terrible, quoi. Parce que là, tu dis, voilà, c'est vrai. C'est vrai, on y est, là. On y est. On est glacé d'effroi parce qu'on s'aperçoit que le pire qu'on pouvait imaginer s'est produit. Au Mât Bleu, où Yann Pia vivait avec sa fille depuis plusieurs années, pas de menace récente. Il n'y avait ni armes, ni garde du corps. Les policiers ont bien perquisitionné, cherchant des documents, la piste d'un ennemi, d'un commanditaire, mais rien d'évident, pas plus qu'à son bureau du centre-ville. Tant qu'on ne sait pas la vérité, la vraie vérité sur la fin de Yann Pia, toutes les rumeurs sont possibles. Donc il y a plein de choses. Il y a des gens qui disaient sur le Front National qui l'a fait tuer parce qu'on n'a jamais supporté quelqu'un au Front National. C'est Fargette, c'est Arex. Moi, je dis que la piste politique tournera en eau de boudin. On se dispute dans ce département et dans le Midi, on ne se tue pas. Il y a beaucoup de gens à qui ça peut profiter. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent être incriminés. Tu dis, putain, par où je commence, quoi? Par où je commence? À Toulon, les premiers éléments de l'enquête désignent le grand banditisme. L'organisation a été supervisée par le directeur central, Jacques Franquet, envoyé par Charles Pasqua. Quel que soit le niveau où il se trouve, personne ne doit être à l'abri. Même si c'est du monde politique. Quel que soit le niveau où il se trouve. L'enquête a été très vite. J'espère qu'il n'y aura pas de personnalité politique. Mais si d'aventure il devait y en avoir, tant pis pour eux. Il y a beaucoup de gens qui pleurent, beaucoup de gens qui sont énervés. Et là, tu commences à entendre dans la foule des gens qui disent « c'est Cercia, c'est Cercia, c'est Cercia, c'est Cercia ». Et voilà ce qu'on est venu me porter pour me salir ma famille. Je suis un homme très attristé. Je dis que c'est pas beau. À qui profite le crime aujourd'hui? Les policiers, le matin même, ont raflé une trentaine de personnes. Des figures du milieu varois, mais aussi, fait sans précédent, des élus. Et d'abord, Jo Cercia, présenté comme l'adversaire politique le plus décidé de Yann Pia. Il sera libéré le lendemain. Et l'Assemblée nationale est sous le choc du premier assassinat d'un de ses députés. Un assassinat politique, estime le ministre François Léotard au nom du gouvernement. Présenté en... Les obsèques de Yann Pia se déroulent dans une ambiance lourde et chargée d'émotions. Le gratin de la politique nationale a fait le déplacement. Tous les élus varois sont là. Tous, sauf Joseph Cercia, en garde à vue depuis le matin. C'est d'une voix forte que nous devons montrer ensemble que la démocratie suppose la vigilance, la fermeté, la justice. Si nous voulons que dans nos cœurs, dans notre mémoire, dans nos villes,
elle reste vivante. Nous devons être plus forts que ceux qui l'ont assassinée. Mais il n'y a pas de trêve pour les élus varois, même le temps des obsèques. Léopold Ritondal, le maire de Hyères, qui vient de passer 3 heures dans les locaux de la PJ à Toulon, est pris à partie à la sortie de l'église. Non, mais monsieur, à ce moment-là, je vous attaque. Allez-y, tuez-moi, monsieur. Je vous attaque. Allez-y, monsieur, tuez-moi. Tuez-moi, monsieur. Parmi les premiers interpellés se trouvaient Epifano Pericolo et Denis Labbadie. Le portrait robot établi par un témoin leur correspond. Et l'enquête montre qu'ils appartiennent à l'équipe de campagne de Joseph Sercia. Ce sont eux qui ont bousculé et menacé la députée du Var lors du meeting de l'espace 3000. Tout semble les accuser. Tout d'un coup, tout arrive à se solutionner rapidement. On a l'impression que ça y est, quoi. On l'a trouvé. Ça va un peu vite quand même, ça va un peu vite. Enfin, il suffisait d'être allé grenouiller 2 heures à l'accro, puisque Labbadie était de l'accro. Il avait 8 alibis qui ne se connaissaient pas forcément. Enfin, c'est... Il y avait un qui tenait un restaurant, et il y avait y compris là des clients occasionnels qui étaient attendus et qui ont dit non, il a été là, il nous a servi, on l'a vu. Il était là, il ne peut pas faire le meurtre en étant là. Vous comprenez ? Il était là toute la soirée. Il était là. C'est vrai que la police, elle a intérêt à ce que ça aille vite. Et après, on a compris, ils nous ont expliqué d'ailleurs, ils ont été assez sympas dans ce coup-là, les policiers, ils ont reconnu qu'ils avaient mis ces deux personnages en avant, comme ça tous les médias se focalisaient sur eux, et eux, ils bossaient tranquillement sur le reste, sur l'important. Un juge d'instruction, Thierry Roland, est nommé, et le 8 mars, une deuxième opération coup de poing a lieu. 9 personnes sont arrêtées. Parmi elles, Maurice Arex, le président du Conseil général du Var en personne, cité dans une lettre posthume confiée par Yann Pia à un notaire à n'ouvrir qu'en cas de décès. Dans cette lettre, elle dit « Si je me suicidais, s'il m'arrivait malheur, je demande qu'on interroge ou qu'on se préoccupe de ce qu'a été l'action éventuellement de... » Et je me trouvais là avec M. Tapie. Vous avez été convoqué à l'hôtel de police déjà ou pas, Bernard Tapie? C'est une obsession, vous. Hein. Non, c'est pas une obsession. Hein, c'est une obsession pour vous. Hein. La question pour information. Puisqu'on vous a dit non, pourquoi vous reposez la question? Évidemment que le fait que Tapie apparaisse dans cette affaire nous a fait lever l'oreille. En tout cas, Tapie a été interrogé, a été mis hors de cause. C'est tout ce qu'on peut dire. Dans cette lettre, Yann Pia cite également Savastano, Fargette, mort entre-temps, et Jean-François Barrault, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Var, qui a en charge le dossier d'agrandissement de l'aéroport de Hyères. Barrault a aussi de gros intérêts avec Fargette dans la création d'une gigantesque cimenterie. Et les ciments, à l'époque, c'était les nouvelles machines à laver du milieu. Hein. C'était avec ça qu'on pouvait faire du business. Et je sais que moi, j'ai eu des retranscriptions d'écoutes téléphoniques où il est explicite qu'il a des relations privilégiées avec Ordioni, avec Fargette, avec qui il s'entretient avec eux, et qu'il est question de reprendre le Var en main. 2 mois plus tard, l'enquête sur l'assassinat de Yann Pia rebondit. Une jeune toxicomane, Delphine Capel, arrêtée pour une affaire d'escroquerie, livre à 2 inspecteurs de Hyères le nom des voleurs de la moto utilisée pour le meurtre. La piste les mène à un bar du port, le Macama. Les exécutants seraient 2 jeunes voyous fréquentant le Macama, Lucien Ferry et Marco Di Caro. Le mobile du crime serait gratuit. Lucien, tu vas sortir, t'as rien fait. Gérard Final, le patron du Macama, est désigné comme le commanditaire du meurtre. Ce proche de Fargette aurait guidé la main des bébés tueurs, les Pitchoun Killers, comme la presse les appelle désormais. Ferry avoue rapidement avoir tiré sur Yann Pia. Il se rétractera plus tard. Di Caro reconnaît que c'est lui qui pilotait la moto. Final nie les faits malgré les déclarations des jeunes qui le mettent en cause. Selon les enquêteurs, ils auraient agi pour se faire une place dans le milieu et pour venger la mort du boss. Notamment Ferry. Celui qui a tiré sur Yann Pia. Il était intimement persuadé que c'était Yann Pia qui avait fait tuer Jean-Louis Fargette, le parrain, le boss. Jean-Louis Fargette, c'était le Robin des Bois, c'était le Gaspard de Besse, c'était le père de substitution, et ils se sont pris pour des vengeurs, et voilà. La piste Pericolo et Labbadie est abandonnée.
Labadie est libéré, tandis que Pericolo reste en prison pour une autre affaire. L'enquête s'oriente désormais dans une nouvelle direction, sans lien apparent avec les hommes politiques. Arex et Cercia seront tout de même poursuivis pour des malversations. À l'occasion de l'assassinat de Yann Pia, les policiers avaient en effet fouillé dans toutes les affaires du Var. Or, dès le 8 mars, un ancien conseiller technique du Conseil Général craque. Guillotot, vieux compagnon de Maurice Arex, avoue une corruption avec le caïd toulonnais Jean-Louis Fargette. Pour le compte de Maurice Arex, le procès verbal est accablant. Quand j'ai fait la maison technologie, j'ai dit au gars, est-ce que, bon, un peu comme ça, est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour mon parti? Il m'a dit oui. On s'est mis d'accord sur 1,5 million. Le reste est parti, semble-t-il, chez Fargette, qui estimait, qui avait entendu parler que j'avais demandé 1,5 million ou que j'avais pas demandé, qu'on s'était mis d'accord pour toucher pour le parti. Il dit, mais si on en donne au parti, pourquoi on m'en donnerait pas à moi? Au lendemain de l'assassinat de Yann Pia, ses relations avec Jean-Louis Fargette, le chef du milieu toulonnais assassiné en Italie en 93, s'étalent alors sur la place publique. Tout le monde le savait ici, en tous les cas chez les journalistes, personne ne l'a dénoncé avant. Spectaculaire son incarcération à la prison des Baumettes, le sénateur et président du Conseil Général passera plus de 9 mois dans une cellule hôpital. Le temps de la réflexion et enfin des confidences au magistrat instructeur. J'ai été victime d'un complot politique, très net, qui ne vient pas de mes adversaires, mais qui vient d'un, je dirais, de personnalités politiques importantes nationales qui ont toujours eu comme objectif de reprendre ce département et qui était aux mains de l'UDF. C'est d'ailleurs ce que dit M. Léotard. Donc en fait, vous visez le RPR. Exactement. Il y a eu un séisme, voilà, politico-mafieux, localement. L'UDF en a pris plein la figure. À qui profite le crime? Au RPR. Que le RPR ait cherché à tenter d'exploiter, à exploiter cette affaire pour avancer ses billes, mais c'est évident. Et c'est vrai que Maurice Arex a disparu avec l'affaire Pia. Le discrédit jeté par l'affaire Yann Pia sur les élus UDF varois ouvre la voie au Front National. Jean-Marie Le Chevalier devient maire de Toulon au mois de juin 1995. Mais s'il y a eu un désaveu, c'est tout de même parce que c'est le seul département où on a assassiné une députée. C'est le seul département dont le sénateur-maire a été en prison pendant plusieurs mois. Et que d'ailleurs, si ça continue comme ça, on va se retrouver en Provence avec d'un côté les mafieux et de l'autre le Front National. À la même époque, une série d'assassinats décime le milieu varois, en proie à la guerre de succession de l'Empire Fargette. Fargette a été assassiné en 93. Tous les lieutenants de Fargette ont été assassinés les uns derrière les autres, à peu près sans exception, les petits, les moyens, les grands. Sans qu'on n'ait jamais su, même encore aujourd'hui, qui les a tués. C'est d'où la fameuse guerre des gangs. Quelques semaines après la mort de Yann Pia, la région avait été également le cadre d'un mystérieux double suicide. Les frères Saint-Senet, Fernand et Christian, retrouvés morts, assis dans leur voiture, se seraient volontairement asphyxiés avec les gaz d'échappement du véhicule. En 1996, la mort de Yann Pia et des frères Saint-Senet fait l'objet d'une série d'articles dans Le Canard Enchaîné, signé par André Rougeau, ainsi que d'un livre, un an plus tard, coécrit avec Jean-Michel Verne. Les éléments qu'a recueilli André Rougeau pour Le Canard Enchaîné sont qu'il y a eu des contacts entre les frères Saint-Senet et Yann Pia. Fernand Saint-Senet, inculpé pour racket fiscal, était apparemment chargé de récolter des fonds et des renseignements pour le compte d'un parti politique. En rupture avec le conseil régional PACA, l'ancien employeur de Fernand, les deux frères s'apprêtaient à faire des révélations retentissantes. Ils avaient un dossier à me remettre sur le financement de la droite. Voilà. Ils avaient des preuves à l'appui, un dossier. Est-ce qu'on parle d'hommes politiques bien connus? Est-ce que... Je ne peux pas citer de nom. Les éléments que j'ai mis en avant dans le livre que j'ai rédigé avec Rougeau prouvent que ce suicide est très vraisemblablement un assassinat masqué en suicide. Elle avait peur quand il passait une moto, toujours elle avait peur des motos. Il m'a dit, si on te dit que je me suis suicidé, ne les crois jamais, on m'aura tué. Ne me demandez pas ce qu'il entendait par « on », je l'ignore et je ne veux pas le savoir. Mais il disait toujours « on me suicidera ».
Grâce à un informateur issu de la direction du renseignement militaire qu'il appelle le général, André Rougeau affirme avoir découvert dans le disque dur des Saint-Senet le nom des commanditaires du meurtre de Yann Pia. C'est parce que Yann Pia aurait mis au jour des pratiques mafieuses sur des transactions de terrains militaires sur le littoral méditerranéen que des services spéciaux mais officiels auraient été impliqués dans l'assassinat de la parlementaire varoise, trop bien informée. Elle avait mis la main sur des documents qui avaient trait à des opérations immobilières prévues sur des terrains militaires et elle avait l'intention de dénoncer ces opérations. Sous les pseudonymes d'Encorné et de Trottinette, les auteurs accusent deux anciens ministres d'être les commanditaires des meurtres de Yann Pia et des frères Saint-Senet. Quelques mois avant l'ouverture du procès de la bande du Macama, la sortie du livre va déclencher l'un des plus gros scandales politiques de la fin du XXe siècle en France. Trois ans après la mort du député du Var, Madame Yann Pia, l'affaire rebondit et risque de se transformer en affaire d'État. À l'Assemblée, cet après-midi, il n'y avait plus de pseudonyme. François Bayrou évoque les noms de François Léotard et Jean-Claude Gaudin et demande, au nom du groupe UDF, la réouverture d'une enquête. Le gouvernement, le Premier ministre et les ministres concernés contribueront à ce que la lumière soit faite dans cette Assemblée et devant le pays. N'en doutez pas. L'affaire est en tout cas devenue si grave que Jacques Chirac a demandé aujourd'hui même que chacun à sa place applique strictement la loi. Parce que c'est une nouvelle forme pernicieuse de la diffamation. On ne dit pas nos noms et on semble dire que nous sommes associés, ou François Léotard ou moi, à un meurtre. Qu'est-ce que disent les auteurs de ce torchon? Ils disent au fond il y a des services d'État, c'est-à-dire des militaires, avec des armes, qui ont assassiné un parlementaire. S'ils disent ça, bah, que dans les jours qui viennent, il ne faut pas attendre un mois, que dans les jours qui viennent, ils apportent la preuve. Vous avez vu les preuves? Très bien. Et pourquoi ne pas les avoir publiées alors? Parce que j'en suis pas détenteur de la totalité, et puis parce que j'ai pris l'engagement d'attendre le feu vert. L'enquête, elle, se poursuit. La direction de la protection de la sécurité et de la défense, la DPSD, tente de mettre un nom sur le mystérieux informateur des deux journalistes. En fait, cet informateur n'a parlé qu'à un seul des journalistes. Je n'ai pas eu accès aux sources humaines, c'est-à-dire le fameux général, ce témoin mis en scène par Rougeau dans le livre. Moi, je n'ai jamais rencontré le général. Tandis que l'armée enquête, la presse s'est mise en chasse du mystérieux général et débusque un étrange personnage, un certain Jacques Jaujon, ingénieur à la retraite, qui ressemble à s'y méprendre au général campé par Rougeau. Dans son livre, André Rougeau prétend que vous êtes membre de la DRM, la Direction du renseignement militaire. Vous le niez? Absolument. Il dit aussi que vous êtes général. C'est simplement dans son imagination. On apprendra bientôt que Jaujon a été condamné en 1991 pour escroquerie et racket fiscale. Ce qui ne va pas sans rappeler la procédure engagée contre Fernand Saint-Senet. Il n'a jamais été dans l'armée, mais prétend tout de même avoir un lien avec les services secrets. Je suis une taupe, quoi. Un professionnel. Voilà, c'est tout. Il semble que Rougeau s'en soit inspiré pour construire le personnage du général, destiné à protéger ses véritables sources. André Rougeau, en sorte, crée un compartiment étanche qui lui a sans doute permis cette démarche qui peut paraître extrêmement douteuse, lui a quand même permis d'obtenir un certain nombre d'informations. C'est à ce prix qu'il a obtenu ces informations. Je crois qu'il avait d'autres sources quand même. Alors, j'espère pour lui qu'il avait d'autres sources parce qu'il paraissait bien affirmatif. Comment André Rougeau, grand journaliste d'investigation du Canard enchaîné, a pu se laisser intoxiquer et manipuler au point d'écrire ce qu'il a écrit, à la fois dans le Canard enchaîné et dans son livre. Mais plus dans le livre que dans le Canard enchaîné. Comment? Pourquoi? Ce soir, après une longue interview au Monde, installé dans son bureau, Claude Angéli, le rédacteur en chef du Canard, est quasiment assuré qu'André Rougeau a été manipulé. Quand des gens qui font métier dans le renseignement lui donnent des informations, il y a volonté de les faire publier. Donc on peut évoquer ce thème de manipulation. Dans les jours qui viennent, on aura réussi à démontrer que ces gens sont des imposteurs, des truqueurs, et que derrière eux, peut-être, il y a d'autres officines qui, depuis maintenant 20 ou 30 ans, sont à l'œuvre dans la Ve République pour déshonorer et pour salir.
Il y a des gens de services secrets qui ont manipulé Rougeau, qui ont donné des fausses informations, des faux documents. Alors c'est vrai que dans la perspective d'une réélection de Chirac, Léotard en 96 peut être un personnage gênant. Je constate quand même que la carrière nationale de François Léotard s'est arrêtée après ces révélations. Il y a des gens qui ont utilisé cette enquête journalistique pour déstabiliser deux hommes politiques. Mais ce procès-là, nous, il ne nous concerne pas. Faute de preuves, le tribunal décide que certains passages du livre doivent être supprimés. Jean-Michel Verne et André Rougeau seront condamnés plus tard pour diffamation. L'ouvrage, déjà vendu à plus de 100 000 exemplaires, et retiré de la vente par l'éditeur. Comme il traite à la fois l'affaire des frères Saint-Snay et l'affaire Yann Pia, il y a beaucoup de choses qui sont très très vraies dans la mort des frères Saint-Snay, dont je suis intimement persuadé, moi aussi, qu'ils ont été assassinés. Et il y a beaucoup de choses qui sont fausses, ou non vérifiées, ou pour lesquelles Rougeau a été manipulé, et qui sont donc fausses. De la même façon que certains croient encore que Yann Pia a été responsable de la mort de Fargette, je pense qu'il y a en France encore des gens qui pensent que François Léotard et Jean-Claude Godet ne sont pas totalement innocents de l'affaire de la mort de Yann Pia. Le 4 mai 1998, la tension est à son comble quand s'ouvre à Draguignan le procès tant attendu des auteurs présumés du meurtre de Yann Pia. Après une instruction de 4 ans, la cour d'assises a 150 témoins à faire comparaître et dispose de 6 semaines pour rendre son verdict. Les accusés sont défendus par les ténors du barreau, comme Vergès, Collard ou Jurami. Des allures de jeune homme sage, 6 têtes juvéniles dans un box d'assises. Accusé d'avoir piloté la moto, Marco Di Caro, 24 ans, il se présente comme portier. Lucien Ferry, 26 ans, sans profession, suspecté d'être le tireur. Placé à l'écart des jeunes voyous du bar, Gérard Final, le patron de bar, accusé d'avoir donné l'ordre de tuer Yann Pia. Il clame depuis le début son innocence. Les seules absentes, ce sont les deux filles de Yann Pia, trop bouleversées pour assister au procès. La salle, elle est blindée. Il y a 50 journalistes, il y a toute la presse écrite, les radios, les télés. L'accusation est lourde, les charges sont accablantes et si la défense a une stratégie globale, c'est de tenter de relativiser le rôle de ces 7 accusés derrière un hypothétique complot politique ou complot politique et mafieux. Pêle-mêle, on entendra des élus locaux et régionaux incarcérés ou condamnés, des hommes d'affaires douteux, des truands plus ou moins grande envergure, bref, tout un parterre de liaisons dangereuses. À la barre, certains témoins font état des menaces dont Yann Pia a fait l'objet et affirment que son exécution a été commanditée. Il m'a dit, j'ai un contrat sur ma tête. On me dit qu'on me menace d'assassinat, on me menace de filles. On lui a envoyé des lettres, on l'appelait, on lui a envoyé des cercueils avec mon nom et les prénoms de ma sœur. De Canson rajoute, Madame Pia avait demandé au préfet et au procureur de la République une protection et ça lui a été refusé. Aujourd'hui, on mettrait trois agents de sécurité, 3 flics devant la permanence d'un député, c'est menacé. Bon, il y a 25 ans, on l'a laissé crever, quoi. Substitut au parquet de Toulon, Albert Lévy est aujourd'hui témoin dans l'affaire Yann Pia. Sa vérité n'épargne personne. La hiérarchie judiciaire, je l'ai alerté 6 mois avant sur les dangers que courait Yann Pia. Les policiers, ils ne voulaient pas remonter la piste politique, de peur de diluer les responsabilités. Le juge Lévy dévoile que l'arrestation de la bande du Macama ne provient pas de la dénonciation de Delphine Capel. Il prétend que la police était déjà depuis 3 mois sur leur piste grâce à une transaction secrète qui aurait eu lieu à Paris, entre l'État et un clan du grand banditisme local. La famille Perletto aurait dealé, je dis bien aurait dealé, la libération de Franck Perletto qui est en taule depuis 2 ans en échange d'informations de capital sur les assassins de Yann Pia. Voilà. Donc personne ne te dira jamais la vérité là-dessus, jamais. La police judiciaire n'a jamais révélé ses sources. Je ne vais jamais à Paris, ni je prends l'avion, parce que j'ai peur en avion. Et je ne fais jamais aucun déplacement. Donc je n'étais pas à Paris. Le juge Lévy évoque également les confidences qu'il a recueillies auprès de Bert Fargette, l'un des frères de Jean-Louis, au sujet de la présence d'une ou plusieurs équipes de tueurs et d'observateurs sur le Mont des Oiseaux, ce soir-là. Qu'est-ce qu'ils ont
aurait fait cette seconde équipe. Vous avez une première équipe qui met 6 balles dans la voiture. Et la seconde, elle n'en aurait pas mis une. Je ne vois franchement pas l'intérêt de les déplacer. Pour lui, aucun doute, malgré les différences de munitions, c'est bien la même arme, le même tireur qui a tué Yann Pia et blessé Jo Arnaud. Je ne rencontre pas d'autres motos, je n'en vois pas derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a que celle-là. Tous ces témoins, il y en a 3 ou 4, là je ne sais plus, il y a Icardi, il y a Jo Arnaud, etc. Tous ces témoins ne parlent que d'une seule moto. Je suis convaincu qu'il y avait 2 équipes. Une équipe, celle des tueurs du Macamar, qui a réellement tiré sur Yann Pia, et qu'il y avait une 2e équipe qui était là, au sommet du Mont des Oiseaux. Il y avait un véhicule qui était dans le sens de la descente du Mont des Oiseaux pour veiller à ce que le travail soit bien fait. Donc voilà, on a quand même des indices qui laissent à penser qu'on a 2 équipes sur cette affaire, une équipe opérationnelle et une équipe en surveillance. En tout cas, beaucoup de monde était au courant. C'est ça la leçon de l'opération. Qui ait eu une 2e équipe ou pas, vu après les sources de renseignement, les Perletto, les Fargette, Delphine Capel, enfin, il y avait beaucoup de monde qui était quand même au courant de cette opération-là. Cet après-midi, devant la cour, a été évoquée en présence de sa mère la mort de Delphine Capel, la jeune fille qui avait mis la police sur la piste des voleurs de la moto, Marco Di Caro et Olivier Thomasson. La jeune femme, témoin capital pour l'accusation, est décédée en septembre 1995 dans des conditions curieuses, étouffée par ses propres régurgitations, à tel point que certains enquêteurs avaient pu croire à un meurtre. Capel, c'est le premier témoin essentiel qui aurait pu dire des choses sur la façon dont la bande du Macama a été recrutée. Comment ils avaient eu le marché en main, qu'est-ce qu'on leur avait promis, qui leur avait promis. Ça, elle aurait pu révéler. Comme par hasard, elle disparaît. Elle était peut-être un peu trop bavarde. Alors là, on dit qu'elle va peut-être sortir des trucs qui vont nous gêner et qui vont amener peut-être l'enquête sur sa vraie dimension. À mon avis, il fallait chercher un peu plus haut, un peu plus dans les environs de l'affaire, et ça n'a pas été fait. Parce que dans ce box, j'estime qu'il y a des coupables, certes, mais il y a également des innocents, et il manque surtout les responsables. Dans cette affaire, le juge a certes entendu des hommes politiques de la région, mais personne au niveau national. Les avocats de la défense lui reprochent aussi de ne pas s'être suffisamment intéressé aux ordinateurs de Yann Pia et à d'éventuels versements d'argent en règlement du contrat pour l'assassiner. En refusant donc d'étendre son instruction à toutes les hypothèses, le juge Roland a bien malgré lui déchaîné interrogations et rumeurs. Est-ce qu'il avait suffisamment de liberté pour se permettre de faire tout ce qu'il voulait faire, même s'il avait voulu le faire? Quand on voit le banc et l'arrière-banc de Pasqua arriver, je crois qu'on se calme. Hein. Et puis on vous demande de vous calmer. Je me souviens qu'à l'époque où j'étais vraiment bien plongé dans le dossier, je trouvais qu'il y avait beaucoup de coïncidences et qu'il y avait beaucoup de proches de Pasqua qui grenouillaient dans cette affaire. Moi, je disais, si vous voulez savoir l'assassinat, la vérité sur l'assassinat de Pia, il faut que vous convoquiez Charles Pasqua pour qu'il puisse vous dire pourquoi il n'a pas reçu Yann Pia une semaine ou 10 jours avant sa mort. La justice n'a pas voulu en savoir plus, mais elle aurait pu, elle aurait pu. Mais au fil des débats, on le sent bien, la piste politique s'épuise pour laisser seul dans le box, face à la mort de Yann Pia, les 7 accusés du Macama. Au procès, ça y est, l'affaire est entendue. On sait qu'on va embastiller ces 2 gamins et leurs pseudo-commanditaires et qu'on n'en parlera plus. Alors vous pouvez ramager tant que vous voulez, la messe est dite. Même si on pense qu'il y a d'autres super commanditaires, entre guillemets, on ne va pas les chercher parce qu'on n'a pas les moyens de prouver leur culpabilité. Et on peut pas les garder les gens quand même éternellement en prison. Il y a bien un moment où il faut les juger. Et sinon, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, etc., qui s'en mêle. Le 4 juin 1998... Lucien Ferry reconnaît être l'assassin de Yann Pia. Il assume le rôle de meneur et prétend que Gérard Final n'est pas le commanditaire. Il affirme qu'il s'agit d'hommes politiques et de voyous, mais refuse de les nommer par peur de représailles. Lequel patron du Macama, quand même, n'a pas l'envergure d'un Fargette, il faut bien le dire, ni des Perletto. Peut-être qu'il n'a pas l'envergure, et si lui croit qu'il a l'envergure. Un patron de bar, pour éviter une heure de fermeture, aurait fait abattre un député. Si c'est ça qu'on veut vous faire croire à l'opinion publique française, à mon avis, c'est un peu navrant. Le verdict tombe.
Gérard Final, que l'instruction a désigné comme le commanditaire, et Lucien Ferry, le tueur, sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Marco Di Caro, le pilote de la moto, écope de 20 ans. 15 ans pour Romain Gressler et 13 ans pour Olivier Thomasson, chargé de faire le guet et de s'occuper des armes. Quant à Stéphane Aligesh-Guesh, l'incendiaire de la moto après le crime, il s'en sort avec une peine de 6 ans. J'ai pas le sentiment qu'on ait condamné des innocents. Acte 1. Acte 2, j'ai pas le sentiment qu'on ait condamné tous les coupables. Voilà. Qu'il l'ait fait, ça, aucun doute. Mais qu'on se soit arrêté à Gérard Final, là, franchement, on est loin du compte, hein, je pense. Parce que je pense que Final n'a pas agi seul. Il a agi avec l'aval d'un certain nombre de personnes. Qui lui ont promis de devenir le patron de hier et le big boss qui a remplacé Jean-Louis Fargette, quoi. Ça, c'est sûr. Vous croyez à une piste politique ? Ce que je pense, moi, personnellement, mais c'est une opinion, c'est que je pense qu'il y a peut-être un politique de niveau moyen qui a fait un cadeau empoisonné à des politiques d'un niveau plus élevé, mais sans que forcément ceux-ci soient au courant de cela. Ils n'ont pas cru à l'hypothèse que cette femme avait été assassinée à la suite d'une décision de politique, voilà, parce qu'elle gênait. On a beaucoup dit au départ qu'elle avait été tuée pour pérenniser un système, et la conséquence de cet assassinat a été justement la mise à bas de ce système. Tout a explosé en vol derrière, et c'est encore une fois ça, pour le coup, on pouvait le prévoir. Si finalement, il y avait une seule catégorie de personnel qui a un peu échappé à tout ça, ben c'est un peu le monde économique, quoi. Tous les autres ont été éclaboussés et même sanctionnés. Je me souviens d'un magistrat qui nous avait dit dans son bureau « enquêter autour de la démilitarisation des terrains ». Je pense que le nœud de cette affaire, il est là, quoi. Oui, mais ça, c'est un vrai enjeu ou pas? Parce que les terrains militaires sont à côté de l'aéroport. On ne peut pas faire d'opération immobilière là-dessus. Vous en êtes sûr? Mais j'en sais rien, moi, je suis très marre. Et vous êtes inquiété de savoir à qui sont les terrains tout autour et tout? Et est-ce que... Non, on fait attention. Mm-hmm. Bon, il y avait deux marinas qui étaient envisagées, une à Saint-Tropez et une à Hyères. Oui. Bon. Ces terrains civils et militaires, idéalement situés en bord de mer, ont suscité la convoitise d'investisseurs véreux, soucieux de blanchir de l'argent sale, notamment la mafia italienne ou des sectes comme l'Ordre du Temple solaire. Il semble que dès cette époque, la classe politique régionale ait été alertée, mais que seul Yann Pia ait accepté d'intervenir. Yann Pia, alors élu au Conseil régional, vice-présidente de la commission d'urbanisme, de mémoire, s'est opposé à ces opérations sur les terrains militaires. Parce qu'elle avait par contre dit que, elle, maire de Hyères, tous les projets pharaoniques, affairistes et tout, il n'en serait pas question. Donc ça, c'était une espèce de déclaration de guerre. Il est sûr que si elle avait été élue maire de Hyères, elle aurait eu du pouvoir, forcément. On était deux à se battre contre la corruption dans le Var, mon ami Yann Pia et moi. Elle a disparu, moi j'ai disparu administrativement, mais j'aurais pu disparaître de la même façon qu'elle, c'est ce que j'ai appris par la suite. Par qui ? Par des gens très bien placés qui m'ont dit « vous êtes en danger ». Je le savais, mais fait bon, quand on touche à des domaines réservés, peut-être qu'on est en danger, je l'étais, je le savais. On sent bien qu'il y a un complot de l'ombre. Et ce complot de l'ombre, il met en scène beaucoup de personnages politiques, mais également proches des milieux d'affaires, des mafieux. Voilà, on a un comité d'affaires qui est impliqué dans l'assassinat de Yann Pia. Elle a été assassinée parce qu'elle faisait peser des menaces très graves. Incontestablement sur des personnalités importantes. Paul Grimaldi, qui est le lieutenant de Fargette, il dit, avec le frère de Jean-Louis Fargette, il dit, si vous trouvez l'assassin de Jean-Louis Fargette, vous trouvez l'assassin de Yann Pia. Paul Grimaldi et Bert Fargette, le lieutenant et le frère de Jean-Louis, seront abattus dans le courant de l'année 2000. Leur élimination s'inscrit-elle seulement dans la guerre de succession de Fargette ? Ou est-elle liée aussi à ce qu'il savait sur la mort de la députée? Gérard Final, le commanditaire,
perdit la vie à la suite d'une opération chirurgicale en 2010 alors qu'il allait obtenir sa libération conditionnelle. Lucien Ferry, le tueur, fut emporté en 2013 par une méningite foudroyante, peu de temps après sa libération. Des zones d'ombre subsistent toujours à propos du suicide des frères Saint-Senet, du décès de Delphine Capel, ainsi que pour d'autres morts étranges qui se succèdent dans le sillage du meurtre de Yann Pia. Alors ça, dites-leur bien que je mourrai pas suicidé. On ne sait toujours pas le rôle qu'a joué Jacques Jaujon dans cette histoire. Son corps a été retrouvé en 2009, dans un bois, près de chez lui. Selon l'autopsie, il serait mort 7 ans plus tôt. Décidément, bien des questions et des mystères demeurent dans l'affaire Yann Pia. Qui a tué M. Perrin? Qui a tué Fargette? Qui a tué Yann Piat? Mais c'est pas un département, c'est un credo. Est-ce qu'on saura un jour la vérité? C'est la question la plus simple, la plus banale qu'on puisse poser à un mec qui travaille sur cette affaire depuis longtemps. Et j'aimerais qu'un jour, une fois que les protagonistes auront progressivement disparu, on peut rêver. Mais j'aimerais vraiment savoir ce qui s'est passé sur ce foutu mont des oiseaux.